Alors, pose du volet de Velux SSS MK04. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude du SSL. Donc, c'est un volet solaire, mais cette fois-ci, en fait, c'est un volet souple. Donc, c'est sa petite particularité. La pose est légèrement différente. Je trouve que c'est mieux. Ça fait plus rideau. Et surtout, pour les grêles, au moins, ça ne marque pas. Vérifiez bien quel modèle de Velux vous avez. Première étape, retirer la vis de chaque côté. Comme ça, vous pouvez mettre cette petite pièce-là dans ce sens-là. Voilà, c'est fait. Première étape terminée. Donc pour l'étape 2, vous faites basculer en rotation le Velux. Et là, juste en dessous, il y a un petit téton. Juste là en dessous. J'appuie dessus. Hop, et ça vient tout seul. Tac, vous avez la pièce. Ensuite, vous prenez cette pièce, la gauche et la droite, vous ne trompez pas. Et donc la petite encoche ici va dans le petit téton qu'on a monté tout à l'heure. Et il y a juste à clipser. Donc le trou là dans le petit téton, donc on met juste ici comme ça. Et là, on appuie comme ça. Et là, vous allez voir rentrer quand il est bon. Hop. Voilà. Là, du coup. Donc faites bien attention au joint là, c'est la seule difficulté, c'est de ne pas serrer sur le joint. Voilà, les vis sont mises. Du milieu sont assez chiantes. Donc après, ensuite on peut remettre les petites tôles. Il suffit de la faire glisser. Comme ça, on la rentre et on la clipse. Fait ça de chaque côté. Donc ensuite on met la partie du bas. Là, en fait vous avez une petite encoche ici, il faut le mettre juste ici. Ça s'emboîte comme ça, se pose comme ça. Et là bah, évidemment il faut le centrer. Et après c'est juste deux vis. Donc les trous vont juste en face de la vis. Et là donc il faut pré-percer. Ne pas oublier, enlever la petite vis côté panneau solaire. Et là, vous levez le petit clapet. Et là, il y a un petit bouton. Et là, appuyez sur le petit bouton, juste là. Et ça fait des dudutes. Une fois que vous avez entendu les trois bips, bah les trois bzits, vous refermez. Ouvrez les deux côtés. Le petit clapet. Donc, il suffit de tirer dessus un petit peu. Hop, on ouvre. Donc là, enfoncez-le de chaque côté dans l'articulation et après fermez le clapet. Jusqu'au clips. Donc comme ça, la partie haute est fixée. Ensuite, enlevez la petite protection rouge et clipsez le côté gauche et le côté droit. Donc voilà, pour l'emboîter, il faut tirer très fort sur les fils. Une fois que vous en êtes là, il suffit de lever un petit peu, ça va se clipser tout seul. Voilà, après ça rentre tout seul. Et il ne reste plus que le bas emboîté. Merde. Donc la partie bas, il y a juste à l'emboîter, c'est un petit coulisseau qui s'emboîte. Juste à l'enfoncer.
Et là, c'est bon, ça coulisse. Donc voilà, c'est fini. Le volet de Velux est posé. Donc il suffit de retirer la petite languette rouge de la télécommande. Donc là, vous appuyez sur la touche du bas. Vous entendez les trois bips. Une fois que c'est bon, vous appuyez sur la touche du milieu et celle du bas. Et du coup, la télécommande est appairée. Donc voilà, c'est fini. Vous voyez, c'est un volet, c'est une espèce de toile flexible. On va montrer de l'intérieur pour voir l'occultation. De l'intérieur. C'est complètement noir. Pas de lumière qui passe. C'est impeccable. Voilà.